nouvelle terre débarque chez les métis comme s'il n'existait guère. D'un océan à l'autre, chemin de fer à tout prix, les millionnaires du rail se sont offerts un pays. Riel, chef légitime de la Siniboya, réclamant homme digne le respect de leurs droits, trahi par Ottawa, traité comme du bétail. Les métis n'ont plus le choix, il faut livrer bataille. Victoire à Rivière-Rouge et près de lac au Canard, tous leurs espoirs s'écroulent un batoche plus tard. Riel est fer au pied, écroué à Regina. Coupable, disent les jurés, Richardson sonne le glas. Parodie de justice dans le plus grand désordre. C'est la haine qui dicte la potence et la corde. De la furie orangiste, Thomas Scott est le fiel, MacDonald le complice de la mort de Riel. Telle une cicatrice profonde qui la serre, la mémoire des métis que rien ne fera taire. Francophones de partout expriment leur colère et pleurent Louis Riel assassiné hier. Du gibet de ce dernier ne reste qu'une estampe, un bout de corps d'un musée, la maison de ses parents. Et lui qui fut pourtant père du Manitoba doit encore aujourd'hui essuyer les coups bas. Martyr pour les uns et traître pour les autres, l'histoire le portera en vainqueur face aux fauves. On le voudrait oublier, c'est qu'il dérange encore, toujours controversé, plus d'un siècle après sa mort. Plus d'un siècle après sa mort.